merveilleux voyage des saumons. Sur les rives ouest des rivières de l'Amérique du Nord, vit un des migrateurs les plus intéressants du monde. Ceux-ci sont les saumons, qui en affrontant diverses difficultés, franchissent les rivières et les vallées. La vie des saumons commence avec les œufs que leur mère dépose dans un cours d'eau peu profond. Le premier repas des bébés qui grandissent sont les sacs nutritifs disposés spécialement à l'intérieur des œufs. Et quelques semaines plus tard, ils atteignent la taille suffisante afin de se chercher de la nourriture dans le cours d'eau. Pendant environ un an, ils continuent à vivre dans le cours d'eau et dans ce laps de temps, ils grandissent de plus en plus. Les saumons furent créés avec une constitution leur permettant de vivre à la fois dans l'eau douce et l'eau salée. Quant au but de cette création, il est caché dans le voyage miraculeux que ce poisson va faire. Un matin de printemps, des milliers de saumons commencent à migrer tout le long du lit de la rivière. Quant à l'objectif qu'ils vont atteindre à la suite de ce voyage qui va durer des semaines, il est magnifique. L'océan Pacifique. Dès qu'ils atteignent l'océan, le mécanisme génétique des saumons produit un changement structurel dans leur corps et le poisson est alors en mesure de vivre dans l'eau salée. Tout au long des une ou quatre années suivantes, ils vont parcourir des distances gigantesques dans l'océan. En sortant des rives de l'Amérique, ils passent à côté de l'Alaska et en traçant un grand arc vers le Japon, ils reviennent. À l'issue du voyage, les saumons sont arrivés à maturité et ils sont fin prêts pour le dernier et plus intense voyage de leur vie. Ils vont retourner chez eux, c'est-à-dire dans le lit du cours d'eau où ils sont nés. Dans le lit du fleuve, où ils sont passés des années auparavant pour atteindre la mer, maintenant, ils commencent à nager dans le sens tout à fait opposé, c'est-à-dire à contre-courant. Aucun obstacle se présentant en face d'eux ne les décourage. Lorsqu'ils rencontrent des chutes d'eau, ils poursuivent leur route en sautant hors de l'eau. Ils peuvent même franchir des obstacles de 3 mètres en sautant. Ils poursuivent avec détermination leur itinéraire qui atteint parfois les 3200 km. Tout au long de ce voyage, ils ne mangent rien. Ils utilisent l'énergie qu'ils ont emmagasinée auparavant alors qu'ils étaient en mer. Et à la fin, ils arrivent sans faute au lit de la rivière où ils sont venus au monde des années auparavant et ils y déposent leurs œufs. Ils ont accompli leur devoir. Après une courte période, ils meurent. Ce voyage des saumons est un des événements les plus étonnants dans la nature. Après avoir vécu plusieurs années dans la mer, comment des milliers de saumons trouvent-ils le lit de la rivière où ils sont nés? Pour cela, ils doivent d'abord trouver leur cours d'eau parmi les milliers qui se jettent dans le gigantesque océan Pacifique. Et ensuite, tout le long du cours d'eau, ils doivent nager sans se tromper,
malgré le fait que celui-ci se sépare en branches plusieurs fois, et à chaque embranchement, ils doivent prendre la bonne décision et aller dans le bon sens. Les saumons réussissent cette opération qui semble impossible. Très bien, comment et pourquoi? Regardons d'abord la réponse à la question « comment ?». Les recherches montrent que les saumons ont été créés avec un système sensoriel spécial afin d'accomplir ce voyage. Pour s'orienter dans les océans, ils furent créés avec des boussoles naturelles qui perçoivent le champ magnétique terrestre. Par ce moyen, dans les eaux immenses du Pacifique, ils trouvent leur chemin sans faire d'erreur. Seulement, la vraie question est de savoir comment les saumons ont trouvé le lit du cours d'eau où ils sont nés. Ceci nécessite un tout autre système que la boussole naturelle. Les recherches effectuées à ce sujet montrent que les saumons furent créés avec l'organe olfactif le plus sensible du monde et qu'ils trouvent le cours d'eau où ils sont nés en suivant l'odeur de ce dernier. On ne pense pas tellement que les cours d'eau puissent avoir une odeur qui leur est propre. Seulement, dans la réalité, chaque cours d'eau sur Terre a une composition chimique qui lui est propre. La plupart du temps, les différences entre ces compositions sont si petites qu'elles ne peuvent pratiquement être perçues par aucun être vivant, hormis les saumons. Un des événements les plus intéressants qui révèle l'aptitude des saumons à s'orienter fut vécu dans la ferme d'élevage de poissons de Prairie Creek, en Californie du Nord. Une découverte faite dans cette ferme a révélé une surprenante aventure de migration. Le 2 décembre 1964, dans l'un des bassins de reproduction de poissons de la ferme, un saumon plutôt grand, qui a atteint ses 2 ans, fut découvert en train de nager parmi les centaines de poissons bébés. Sur la nageoire arrière du poisson, il y avait la trace des clips en métal spécial de la ferme d'élevage de poissons de Prairie Creek. Cette situation montrait que ce poisson était l'un des saumons élevés dans cette ferme il y a 2 ans de cela, puis il avait été relâché dans l'océan. Mais en revenant de l'océan, comment le poisson a-t-il pu entrer dans le bassin fermé de la ferme? Il y avait un détail qui donnait une idée à ce sujet. La grille en métal du couvercle de la boîte donnant sur le canal utilisé pour évacuer les eaux excédentes du bassin était cassée. Est-il possible que pour pouvoir revenir à l'endroit où il est né, ce poisson soit entré dans les conduits d'eau de la ferme et qu'il ait accédé au bassin après avoir cassé le couvercle de cette boîte? Concernant le fait, il n'y avait pas d'autre explication que celle-ci. Mais quand on pense au trajet que ce poisson devait parcourir de l'océan jusqu'à ce bassin, cela semble impossible. Pour que le saumon puisse retourner à la ferme où il est né, il devait commencer son voyage de ce point, c'est-à-dire de l'endroit où le fleuve Redwood Creek débouchait sur l'océan. Ensuite, le poisson devait nager 5 km à contre-courant et il allait ainsi parvenir au premier embranchement. À cet embranchement, il va prendre la bonne décision et se diriger vers le nord. Seulement, après un certain temps, il allait venir à une bifurcation plus ardue. Car, dans cette bifurcation, pour le saumon, il y avait 2 signaux très similaires l'un à l'autre. La ferme de poissons où le saumon est venu au monde était tout juste située au milieu de la bifurcation. Le premier choix qui vient à l'esprit, c'était que le saumon aille à droite, car l'eau de la ferme coulait du côté droit. Mais pour une certaine raison, il a choisi le côté gauche et il a commencé à s'approcher de la ferme où il est né par la partie arrière. La raison de cette décision étonnante était cachée sous l'autoroute qui passe dans la région. Sous l'autoroute,
il y avait un canal où étaient jetées les eaux excédentes de la ferme d'élevage de poissons. Dans les périodes normales, très peu d'eau vient de ce canal et elle est absorbée par la terre avant de pouvoir atteindre la rivière. Mais cette année, il avait beaucoup plu. En raison de la pluie, les eaux du canal ont pu atteindre la rivière. Ce courant d'eau peu profond était suffisant pour montrer le chemin au saumon. Le saumon, en suivant l'odeur qu'il reconnaissait, avait dû devoir sortir de la rivière et avoir progressé tout le long du conduit d'eau. Dans une eau haute de seulement 5 ou 10 cm, il devait à la fois nager et se traîner. Ensuite, il devait trouver le bon chemin parmi les conduits d'eau complexes à l'intérieur du tunnel. Même s'il réussit cela, à la fin, il allait encore être pris au piège. Il allait être coincé à l'intérieur du canal en béton de la ferme qui se trouve sous ce chemin en bois. Mais le saumon n'a pas abandonné. Il a trouvé le tuyau de 12 cm de diamètre reliant ce canal au bassin. Il a avancé tout le long de ce tuyau et il s'est trouvé face à face avec un dernier obstacle, la grille en métal devant le tuyau. Quant à cet obstacle, il l'a franchi avec de solides coups de tête. Et donc, à l'issue de cet incroyable voyage, le saumon est arrivé dans un petit bassin où il est venu au monde il y a 2 ans. Après avoir calculé cet itinéraire, une idée est venue aux employés de la ferme d'élevage de poissons. Se peut-il qu'il y ait d'autres saumons qui étaient revenus au nid? En se disant que peut-être qu'ils trouveraient quelque chose, ils ont démonté les pièces du chemin en bois et ont regardé le canal se trouvant en dessous. Ils furent très étonnés. À l'intérieur du canal, il y avait exactement 70 saumons qui portaient les clips en métal de la ferme d'élevage de poissons. Toute cette histoire extraordinaire des saumons nous présente des preuves importantes au sujet de la création. Si on fait attention, chaque étape du voyage réalisé par le poisson fut calculée avec minutie. D'abord, le fait qu'il existe un programme qui ordonne au saumon de retourner dans le lit de la rivière où il est né, et ce, bien des années après, est un grand miracle en soi. En plus de cela, le fait que ce poisson possède le sens olfactif le plus sensible du monde, ainsi qu'un système de boussole naturelle lui permettant de trouver son chemin dans l'immense océan, ne sont certes pas des aléas. Tout ceci montre que le saumon est un être vivant spécialement créé pour le chemin de migration déterminé pour lui. Quant à celui qui crée le saumon avec ses particularités extraordinaires, c'est Allah le Très-Haut, le Créateur de tous les êtres vivants et le Seigneur de tous les univers.